Après l'État hébreu, c'est à la Turquie de rendre son rapport d'enquête sur l'attaque de la flottille humanitaire qui avait fait 9 morts dans la bande de Gaza en mai dernier. Sans surprise, le président de la commission turque estime que Tsahal est responsable de l'assaut meurtrier qui avait soulevé l'indignation de la communauté internationale. Selon Mita Trende, les forces israéliennes ont commencé à tirer sur les passagers depuis leurs hélicoptères avant d'atterrir sur le pont. La veille, une commission israélienne jugeait que l'État hébreu avait agi en légitime défense pour défendre son blocus, un blocus imposé à Gaza depuis 2007. Une nouvelle flottille humanitaire d'une 50aine de navires devrait cette année encore tenter de forcer le barrage israélien.